Hallo allemaal, ik ben Eddy, productingenieur binnen de groep. Ik werkte mee aan de supermarkt van de toekomst. Het totaalconcept werd vastgelegd door de architect. Nadien kon ik aan de slag met de verdere uitwerking. Dat is een creatieve activiteit die ik overal meenam. In de wagen naar huis, in de keuken, in de zetel. Kortom, het bleef in mijn hoofd hangen. Zo kon het dus zijn dat een idee buiten de werkuren ontstond. Onze shop in het huis van de toekomst hebben we eigenlijk op heel korte termijn gerealiseerd. Ter plaatse hebben we soms heel snel beslissingen moeten nemen en is er af en toe geïmproviseerd. Maar uiteindelijk vielen de puzzelstukjes heel mooi in elkaar. Colored Group présente pour les 6 prochaines années son supermarché de demain dans la nouvelle maison du futur à Vilvoorde. En collaboration avec Living Tomorrow, le groupe s'est posé la question de savoir à quoi pourrait ressembler la grande distribution dans le futur et comment il pouvait saisir au mieux les nouvelles opportunités. Le résultat de ces cogitations est à découvrir dans la maison du futur. Le magasin du futur sera beaucoup plus petit qu'un Colruyt de taille moyenne car les clients feront de plus en plus leurs achats en ligne. Ils continueront toutefois à fréquenter les magasins pour s'inspirer ou choisir eux-mêmes certains produits comme les fruits et légumes. Ces derniers seront d'ailleurs toujours présents en magasin. La technologie y est incorporée de manière naturelle et conviviale. Au milieu du magasin, un îlot de cuisine a été installé, muni d'une plaque de cuisson intelligente. Lorsque le client y dépose un produit, la TAC le reconnaît et propose différentes recettes pour le cuisiner. Le client peut tester celle de son choix en compagnie d'un collaborateur du magasin. Le smartphone est incontournable dans ce nouveau concept. Les clients peuvent y créer un profil de consommateur personnalisé avec toute l'information sur leurs intérêts culinaires, comportements alimentaires et éventuelles allergies. Sur la base de ce profil, ils reçoivent une information pertinente et spécifique sur leur smartphone ou sur les écrans numériques placés en rayon. Dit is eigenlijk de eerste fase van een traject. We zijn al bezig met de initiatie van een tweede fase. Het is de bedoeling om onze shop op regelmatige basis bij te sturen. Wordt dus zeker nog vervolgd.